Mais oui, mais je dis très clairement oui. Mais Maëlle étant la personne la plus indécise du monde, arrive tout simplement à bien se pencher sur le sujet. Je sais ce que je veux, mais maintenant faut mettre en œuvre. On va dire que j'ai un style de tatouage assez spécial. Alors en fait, c'est pas si spécial que ça. Me demandez pas pourquoi. On dit souvent que pour faire des tatouages, après ça regarde chacun, qu'il faut faire des choses qui ont du sens pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Forcément, les tatouages que je veux faire ont un sens. Mais alors, en fait, ce que je veux faire, moi, c'est des tatouages très fins. Je veux pas des trucs trop gros. Waouh, c'est quoi ce palmier? Je veux que ça se voit qu'il y en ait partout. Oh là là, mais qu'est-ce que je dis? Mais d'un côté, ça reste très fin et très subtil. Et alors, me demandez pas pourquoi. Je suis fan du style de tatouage un peu grec. Alors moi, quand je dis grec, je m'entends moi-même. Genre, j'aime bien le style des tatouages avec la tête de statue un peu grec et tout ça. En fait, moi, ce que je veux faire, c'est tout simplement une suite d'un tatouage. Genre, imaginons, je veux faire une ligne droite sur mon bras. Sur cette ligne droite, je veux faire un tatouage qui va se développer, voilà. Et cette ligne droite va continuer sur un autre tatouage qui va se développer avec une signification sur chaque grosse partie du tatouage. Par exemple, moi, le truc que je veux absolument me faire tatouer et ce qui est primordial, c'est genre persévérant. Imaginons, hein, persévérance là. Et sur cette persévérance, je vais déployer un petit peu, mettant un petit peu des dessins qui correspondent un petit peu à la persévérance et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Plus illustré. Imaginons, je veux marquer temps. Je vais mettre genre une horloge, un sablier. Tu vois ce que je veux dire? Mettre un mot et mettre des dessins sur les mots que je veux. Mais d'un côté, je veux aussi des tatouages style un peu grec et tout ça, comme je vous explique un peu. Je sais pas, genre j'aime trop cet univers. Je sais pas pourquoi. Même si t'as pas forcément de signification. À part si ça se trouve, j'en trouverai une. Maëlle, t'as mis une quantité de sérum. Mais genre, juste pour la beauté et le truc que j'aime bien ça. Je vais regarder sur internet, ça se trouve, il y a des significations pour chaque tatouage. Et ça se trouve, la signification ira totalement avec le style de tatouage que je veux. Je sais très bien depuis un moment ce que je veux. En fait, c'est juste que je prends pas le temps de voir avec Emma ou Gabin, parce que du coup, ils sont tatoueurs. Du coup, de créer ensemble avec eux le projet de tatouage que je veux. Donc vraiment, ça va être vraiment les dessins exacts de ce que je veux. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment. Mettre en place exactement ce que je veux. Faut savoir que si je veux faire un tatouage comme ça, ça va vraiment pas couvrir parce que c'est pas quelque chose qui est très épais, comme je vous ai dit, c'est très fin. Mais ça va aller sur tout le bras, les torses, enfin un peu vraiment partout. C'est très léger, très fin. C'est très harmonieux. De toute façon, je vous demande pas votre avis, c'est moi qui ferai sur mon corps. Déjà, faut que je passe le cap. Imaginons, j'ai tout un truc, mais au final, j'aime pas. Bah, je serais fin, tiens. Je sais ce que je veux, je vois pas pourquoi j'aimerais pas.